Moi, je mets déo, le même que... linge oh! pendant comme 4 jours, là. Le même linge 4 jours? Moi, tu vois, je fais pas ça. T'es pas dans une équipe de rugby non plus. Ça, mais non, je t'ai l'ordi toute la journée, puis ben, je clique. Ça, là. Genre, mais l'été, je peux pas faire ça. Mais non, l'été, ben non. Mais l'hiver, oui, des fois, 3 jours de fil, même jogging, t-shirt, no body. C'est pour ça qu'il y a des catégories de linge dans ma tête, comme... Les bobettes, ça peut toffer 3 jours. Tu vois, ça, c'était comme une manière à l'envers de voir ça. Ça, c'est une des premières affaires qui part. Non. Ça, on dirait que c'est comme... Là, tu réponds comme si on était dans The Last of Us. Non. Oui! Non. Oui, ça peut! Ça peut! Ça peut, mettons, tout le monde est mort, puis je cours, c'est sûr. Non, mais c'est quoi? Vous c'est êtes un gars qui a pas de bidet qui dit ça! Non, c'est vrai! Mais il y a même pas de bidet! Je suis méga propre au niveau... Oui! C'est pas ça que je dis! Mais regarde! Je suis méga propre. Non, mais méga propre, c'est un gros... Chris, on va faire un test. On va faire un test. M'a porté mes bobettes. Moi, je suis méga propre. Mais oui, m'a porté mes bobettes une journée, puis mes bobettes 3 journées. Puis là, on va checker c'est laquelle. Non, mais attends. Je vais... On va... Non, et c'est-tu aussi sur une échelle de -3 +3, ça, qu'est-ce qui se passe? Hey! C'est quoi? On va te faire confiance. Ben tu oui. vas checker. Voyons. Tu vas nous le dire puis tu vas être honnête. Vous pensez que genre, OK, c'est quoi la limite 2 jours? Non, il n'y en a pas. En fait, c'est du cas par cas. Oui. Il y a des fois après 3 jours, oui, mais c'est ça. Ça va. Puis il y a des fois après une demi-journée, il y a comme, oh, je ne sais pas cette journée-là. Des fois, il fait chaud. Je des fois, il y a, tu sais. Ben oui, mais c'est sûr que quand. Ben oui, mais non, mais genre. On dirait qu'il est sur le point de dire « Vous êtes by the book », là, on parlait de ça. C'est exactement ça, « Vous êtes by the book ». Les gars sont au pied de la lettre. Tout est t'es comme le nouveau... c'est quoi, le Chris? C'est comme le cuisinier anarchiste, mais genre le doucheur anarchiste. Là, le savon, ça dépend. Puis, ben oui, là, mais c'est non, ça. Non, mais genre... évidemment, mais je veux dire, moi, honnêtement, j'avoue que je vais remettre un hoodie 3 jours, mais je vais me changer de tout le reste. Aïe, aïe, moi, un hoodie, là, aïe, aïe, c'est genre 3 mois. Mais non. Non, mais non, ça peut être, c'est sûr, ça t'offre la semaine. Non, là. Un hoodie avec un zipper. Aïe, un hoodie. Zipper, qu'est-ce que ça change? Ben... Non, mais ça, mettons, c'est pas pareil. Ben parce que c'est un hoodie, là. Oui, sauf qu'il est fermé, tu sais, fait comme genre... Parce que quand t'ouvres tout, tu fais comme « bye ». Ben, non, mais c'est parce que moi, avec un zipper... Il y a un peu d'humidité qui s'en va, il y a un point, Non, mais une chemise ouverte, c'est pas pareil qu'une chemise fermée, là, parce que regarde, là... Je sais pas. C'est pas pareil. Eh non, aïe. Je sais pas, on passe au vote. Peine trop propre. Non, c'est juste que moi, je vis genre 100 ans dans le futur. Les Québécois et Québécoises! 100 ans! Don't momify yourself, G. Je suis pas momifié, arrête.